Bien le bonsoir à toutes et à tous j'espère que vous allez bien pour ce petit mardi en live alors euh, ah, je suis pas sur le bon, bon fichier on va retourner sur le bon fichier déjà euh, bon bah ce soir je vais essayer de faire un petit token à partir d'une illustration que j'ai fait précédemment euh, d'ailleurs vous pouvez voir le petit speed painting j'ai dû je l'ai posté il y a quelques jours je crois que j'ai mis le lien normalement dans la description et du coup, je vais vous, ben, je vais tenter de faire un token à partir de ça, c'est-à-dire un petit token, c'est-à-dire le personnage vu d'au-dessus avec euh, un fond transparent que je pourrais utiliser dans des euh, comment dire euh, dans des tables de jeux virtuels... comme Foundry, VTT, euh, Fantasy Grand... Roll20, etc., etc. Donc, eh ben, je vais me lancer dessus euh, ben, euh, dès maintenant. On va attaquer ça tranquillement et je vais essayer de faire ça là-dans euh, pendant ce petit live. Donc, eh ben, j'espère que ça va vous plaire. Si vous avez des questions, s'il y a des gens en live, d'ailleurs, non, je crois pas qu'il y ait beaucoup de personnes en live pour l'instant. Euh, N'hésitez. Dans tout cas. N'hésitez pas du coup à ne pas poser de questions. Et sinon, euh, ben, pour ceux euh, qui prendront le live un peu plus tard, si vous avez des petites questions, des suggestions à faire dans les commentaires, n'hésitez pas, je les regarde. Donc alors tout de suite ce que je vais faire, je vais créer un nouveau calque. Euh, Celui-ci, je vais le verrouiller. Et je vais commencer ben, à faire ben, l'esquisse de mon personnage tout simplement. On va attaquer avec... Euh, ben, ce... On va se mettre sur le bon calque. Et on va attaquer... Alors, un petit ref du perso euh, je vais choisir un truc oui je pense que ça, ça ira bien je vais me mettre en opacité suivant la pression de mon stylet et je vais tout de suite euh, attaquer salut en avant go bonsoir à toi j'espère que tu vas bien euh, ben, je vais attaquer ça du coup euh, tranquillement je vais essayer de reprendre un peu ce personnage essayer déjà de reprendre la position et essayer de le placer un petit à peu près au centre de mon image je vais essayer de le faire correctement. Euh, bravo pour ton speed painting, au fait. Ben, merci beaucoup, merci à toi, en avant C'est bien gentil de ta part. Ah que ça t'est plu <laughs> Ça va, ça va. Tant mieux, c'est important. Euh, hop, du coup, je vais juste essayer de le faire. Alors, euh, je pense que je, pour euh, pour ce type de dessin, je vais être un petit peu plus, comment dire, caricatural euh, que la... Euh, comment dire que euh, le dessin en tant que tel. Je vais essayer d'être sur quelque chose d'un peu moins euh, réaliste, même si le truc ben, c'est pas vraiment un bon mot, mais euh, avoir un petit truc un peu plus cartoon pour euh, tout simplement essayer de... Euh, pour que ce soit un peu plus, li que ce soit assez lisible pour les cartes de, enfin quand tu l'utilises euh, via des cartes, des maps ou des logiciels, pour que ce soit un petit peu plus lis lisible. Donc, bah, je vais faire une, euh, une vue, euh, je vais le faire vue de dessus, bien entendu. Hop, du coup, alors c'est toujours un peu le, le bazar ce genre de choses pour ceux qui ne, euh, euh, c'est-à-dire d'avoir une euh, euh, de faire un dessin comme ça avec ce genre de perspective, c'est pas forcément évident. Bon, euh, bon plus ça va, la plus je vous fais des petits lives. Euh, bonsoir, Yann Conan, bienvenue à toi. Euh, plus ça va, la plus je vous fais des lives où effectivement, c'est pas forcément des trucs euh, forcément simples à prendre en main. Là, on est vraiment sur du euh, dessin hein, très classique. Alors pour le coup, c'est euh, du euh, euh, comment dire, euh, faudrait, euh, vous faire limite des tutos. <laughs> euh, de dessin de technique de dessin pour vous expliquer ça donc là je vais plus essayer de papoter vous montrer un petit peu là où j'ai des difficultés là où ça fonctionne bien c'est plus une petite démonstration qu'autre chose donc hop j'ai euh, globalement euh, mon petit personnage par contre pourquoi j'ai perdu, j'ai voulu faire quelque chose là pour euh, en fait afficher mais en fait ça va pas du tout hop, ouais, je vais être obligé de le laisser comme ça tant pis euh... Hop là voilà c'est bon je suis bien installé il euh, y a ma chaise qui grince j'espère que vous ne l'entendez pas trop hop là je fais je vais essayer de mettre en place les petits euh, euh, comment dire euh, ben les petits cristaux qui sont sur, sur ce personnage là on va essayer d'avoir une belle perspective enfin une belle perspective quelque chose qui soit à peu près juste euh, même si, bon, c'est pas non plus dramatique, hein, s'il un peu des, des choses qui sont fausses. Hop Et Comme ça, là, je bah moi, je reprends exactement bah, mon perso. Comme ça, je vais pouvoir l'utiliser après, ensuite, en partie euh, de jeu de rôle. Pour bon, pouvoir le réutiliser, parce que ça, normalement, là, pour le coup, ça sera un personnage qui devrait arriver dans les, dans les prochaines parties euh, que je suis en train de faire avec mes joueurs. Un petit PNJ. Qui j'espère va les emmerder. Hein. C'est quand même le but de tout PNJ. On va en faire un perso plutôt caractériel. T'as envoyé des dieux. On est vraiment sur du très original. Des tutos, ce serait bien, remarque. Oui, 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 je sais. Je sais, je sais, mais en fait, les tutos, ça prend plus de temps à faire que des lives. <laughs> euh, mais oui, mais en fait, là, je suis sur euh, d'autres choses que j'essaie de mettre en place pour la chaîne et pour l'ensemble du travail que je fais euh, sur la cartographie et tout ça. Euh, une fois que j'aurai mis un peu ça en place, j'essaierai je, de me remettre. Euh, essayer de faire d'autres petits tutos, des petites choses un peu plus... Euh, 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 un peu plus carré, assez généraliste, euh, en fait, dans la série, un peu que j'avais, je ne sais pas si tu vous, vous souvenais, j'avais fait un truc, un premier tuto qui s'appelait, euh, J'avais que je voulais commencer justement pour faire plein de petits tutos de dessin, je l'avais appelé, euh, un truc du cartographe imaginaire, pour, pour vous dire à quel point je, je suis sérieux, je me souviens même plus du nom de mes vidéos. Et euh, j'aimerais bien essayer d'en faire un peu plus. Euh, en fait, je voulais profiter de ce format pour faire des tutos euh, un, un peu plus généralistes sur le dessin, comment dessiner euh, euh, une, une maison, poser une perspective, poser des euh, euh, des ombres, ce genre de choses. Mais euh, avant, j'aimerais euh, finir euh, quelques préparations sur la cartographie pour pouvoir après essayer de retravailler. Essayer de sortir, ce qui serait bien, c'est que je sorte au moins une fois par mois euh, une vidéo. C'est ce que j'aimerais faire un peu, euh, un peu plus travaillé. Après, les tutos, euh, c'est vrai que ça fonctionne bien hein, sur... Euh, euh, comment dire euh, Pour des logiciels, euh, pour ce qui est dessin et tout ça, après, euh, vraiment, qui est technique de dessin, c'est... Euh, c'est plus compliqué. Et il y a des gens qui font Parce qu'en fait, euh, au bout d'un moment, euh, quand tu commences à faire tes assets graphiques, en fait, euh, tes propres assets, euh, quand tu commences à pousser, quand tu vas au-delà d'un logiciel, une fois que j'ai tout expliqué sur un logiciel, j'ai tout expliqué ce que toutes les techniques que je connaissais, donc je vais pas forcément insister plus que ça. Euh, par contre, sur des. Euh, bah après, euh, oui, c'est faire euh, vraiment du dessin et euh, donner des techniques de dessin, ce genre de choses. Et c'est... Euh, euh, c'est pas évident. Enfin, c'est pas évident. Ça se fait bien, hein, mais euh, euh, disons qu'il y a des gens qui font ça très bien et même ceux qui seraient capables de faire ça beaucoup beaucoup mieux que moi. Euh, hop, je vais revenir. Hop là, je vais chercher le contrôle T hop, pour modifier un petit peu ça. Essayer de cacher quel est mon personnage vraiment correctement. Je le trouve un peu grande d'ailleurs, là, ces jambes. On va vrai, je vais essayer de vraiment jouer la, la carte du, euh, du vide au-dessus. Il faut vraiment qu'on ait l'impression. Alors, faut qu'on comprenne un petit peu le personnage faut il faut qu'il soit lisible. Hein. C'est souvent le, euh, le truc qui n'est pas évident à faire. Euh, technique de dessin tu ne manquerais euh, pas de sujet. Oui, 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 ça, c'est sûr. Ça c'est sûr, <laughs> c'est bien ça. Euh, c'est, euh, je saurais pas par où commencer. Et il y, y a plein, et surtout il y a plein de gens qui en font, euh, qui en font et qui en font de manière vraiment très très bien. Hein. Il y a vraiment des, des trucs qui sont super bien pour le coup sur YouTube et que je vais regarder. Et puis, euh, euh, et ce ne serait que du, euh, du repomper de ce qui est déjà fait parce que bon, je suis pas un très bon académicien. Je peux donner des petites astuces, mais ça reste. Euh, euh, je suis pas un, un excellent euh, comment dire illustrateur. Je pourrais éventuellement faire des, des tutos sur de l'animation, mais bon là pour le coup, on s'éloignerait beaucoup beaucoup de la euh, euh, comment, comment dire euh, de la cartographie et du JDR. <laughs> Ce serait encore autre chose. Hop. Oh, bon, on a le, le petit... Putain, je vais l'agrandir un peu, c'est pas... C'est tatane. Hop. Euh, on dit... Il fait un peu ballerine là. Hein je ce que vous en pensez. <laughs> Il fait un peu ballerine, mais c'est pas grave. Assumons, assumons la ballerine. Euh... C'est jamais évident en fait. Hein. C'est vraiment un truc qui est pas du tout évident à faire en fait. Le un, un personnage comme ça vu d'au-dessus. Alors je triche un peu. Il n'est pas vu d'au-dessus, au-dessus et il est un peu euh... comment dire en trois quarts. Euh, c'est une plongée, mais c'est pas vraiment que de dessus. Mais bah, pour bah, pour le pour le tuto. Euh, typiquement, j'y vais. Je vais. Il faut essayer de jouer avec les personnages. En fait, faire des personnages. Je fais des. Je le passe mon bonhomme en volume. Euh, J'essaye de faire un truc vraiment qui soit en perspective. Limite, il faudrait poser un petit point de un petit point de perspective. Et à partir de ça, j'essaie. De, euh, on, va, tu, on va essayer de poser un, un bonhomme, par exemple comme celui-ci, où il faut en fait ben, jouer euh, euh, faire une perspective, mais avec euh, non pas Là où c'est assez simple, par exemple avec des personnages, pas des personnages au contraire, euh, des éléments euh, très géométriques comme euh, des maisons, ce genre de choses, de poser une, une perspective dessus, c'est assez simple. Euh, là où euh, un personnage, en fait, ça peut être un peu plus compliqué parce qu'il va se, justement, il va se tordre, il va se mettre dans des positions un peu un peu bizarres et euh, c'est jamais évident à faire. Oh là. là. Et par exemple, un petit bonhomme comme ça en perspective, et c'est pareil. Là, la perspective est un peu pas sûr qu'elle soit bien juste, quoi. C'est pas sûr du tout que ce soit bien juste. Hop, bah, pourquoi je fais ça? Hop, je suis parti sur autre chose. Allez, un personnage avec une grande épée à la main, et euh, voilà un token. <laughs> la posture, oui, euh, pour la ballerine, euh, mais pas trop, euh, mais pas mais la tête, pas trop, oui, tout à fait. Euh... <laughs> Il est, un peu, il est un peu énervé. Euh, C'est une méchante ballerine. Je <laughs> ne sais pas comment... Euh, quel est le masculin pour ballerine Si vous avez des indications, je serais curieux de... Euh, de le savoir. Enfin, curieux, non. Je, je, je m'en moque un peu, mais bon. bon. Mais Je, je, je mourrais moins bête. Savoir si ça existe déjà. Est-ce qu'un ballerine ça existe Ou c'est vraiment euh, un terme uniquement féminin Hop là euh, euh, Je vais regarder un petit peu ça euh, d'un peu plus loin. Je vais essayer de faire, euh, de le sélectionner. Je, je vais le modifier un petit peu. Sa taille. Hop, je vais l'agrandir. Je vais essayer de le centrer un petit peu plus par rapport au. À mon image, quelque chose comme ça, je les sélectionne. Hop, euh, le, euh, hop non, c'est bon, j'ai déjà lu ce commentaire là, donc eh ben, j'avance hein, doucement. Je vais faire, je vais continuer à essayer de le placer. Je vais, je pense, maintenant essayer de faire une petite mise au propre. Et on va aller travailler un petit peu plus les détails. Je vais être, comme je vous le disais, un peu moins euh, réaliste, un peu plus caricatural sur euh, cette illustration-là. Disons que je vais faire ressortir un peu plus mes traits de construction en particulier. Sur tout ça que je vais faire. Hop, je vais essayer de reprendre. Hein. Je reprends grossièrement euh, l'idée du personnage, mais je vais peut-être pas aller exactement reproduire la même chose. On s'en moque un peu de toute façon. Disons que c'est des choses qui peuvent être intéressantes. En fait, qu'on voit... Euh, qu'on ne trouve pas beaucoup ça, c'est-à-dire des illustrations avec le token qui est donné avec... Euh, il y a des gens qui avaient fait, par exemple, qui avaient repris euh, tout le bestiaire euh, de euh, Donjon, euh, de Donjon 5 euh, en token. Donc ça, c'était assez bien parce que c'était inspiré des illustrations qu'il y avait dans le, dans le bouquin. Euh, mais c'est vrai que d'avoir la combinaison des deux. Après, bon, forcément, hein, c'est, beaucoup, beaucoup plus de travail pour l'illustrateur qui proposerait des tokens. Apparemment, euh... Apparemment, ballerine existe, euh, mais ce n'est quasiment jamais utilisé au profit de danseurs. Ballerine même n'est pas utilisé non plus d'ailleurs au profit de ballerines. D'accord. Merci du renseignement en avant-go. Au profit de danseuses, je veux dire, ok, bah ouais, j'avais compris. D'accord, ok, bah merci pour ce renseignement. C'était l'instant euh, euh, culture vocabulaire <laughs> n'auront pas totalement perdu notre soirée ce soir. Hop, allez, je vais travailler un petit peu la tête là du perso, je vais aller sur un petit truc un peu plus fin. Un petit pinceau un tout petit peu plus fin. Je j'ai bien faire ressortir le nez du bonhomme, le nez du perso. Ah, D'ailleurs, pour faire les tokens, là, il y a quelqu'un qui en parlait tout à l'heure sur le sur le Discord. Euh, euh, C'est vrai qu'il y a aujourd'hui la possibilité, pour le coup, d'utiliser euh, comment euh, il s'appelle le... Euh, HeroForge, qui est un logiciel normalement, enfin une appli qui permet de faire en 3D des, euh, euh, des figurines. On peut faire ensuite imprimer à la demande et euh, avec on peut faire euh, faire des faire des tokens et c'est vrai que ça peut être intéressant par exemple vous faites une photographie de votre modèle en 3D euh, que lui, vous lui mettez sa posture et tout ça et après vous faites juste le token à partir de, de ce modèle 3D et euh, c'est euh, ça peut être intéressant ça peut être ça peut rendre pas mal c'est un style hein, particulier hein, après c'est euh, mais euh, ça peut pourquoi pas ça pourrait fonctionner Hop, donc on essaye, j'essaie de bien garder le, la perspective là, du visage. Bon, il faudra bien que je fasse ressortir ça, mais je ferai ça là pour l'instant. Je vais essayer de placer un petit peu tous mes détails, de dessiner tous mes détails, et après, il faudra bien que je fasse ressortir chaque élément, quel est le plus important, toujours à peu près de la même manière, en euh, épaississant certains, euh, certains éléments, certains traits. Je continue ça. Qu'est-ce qu'il annonce ah Tout simplement, c'était comme ça. Dixi, Dixi de Google. <laughs> oui, tout à fait. Il est bien pratique. Il est bien pratique. Hein. On aime le détester, mais il est quand même bien pratique, le petit. Ce, Ce monsieur Google. Pour toutes les questions, c'est fou d'ailleurs. Le, le À chaque fois maintenant que je me pose une question ou ce genre de choses, euh, pour n'importe quoi, Google et tu as la réponse. C'est quand même les moteurs de recherche, et l'internet mondial. C'est quand même, il euh, y, y a quand même de l'idée là-dedans. L'idée est quand même pas mal. Hop, euh, je vais continuer ça. Je vais essayer être un peu moins comment dire euh, un peu moins précis. Je vais pas aller trop dans les détails de l'anatomie. Euh, surtout, alors je vais revenir un tout petit peu sur le dessus avec les euh, les cristaux pour voir pour essayer de bien les faire ressortir. Euh, prendre celui essayer d'en faire. J'essaye quand même de me référer un peu au dessin. Juste de regarder rapidement à quoi ça ressemble. Voir un peu la dynamique que j'avais utilisée. En particulier pour les, pour les cristaux. Pour voir que ça ressemble au maximum. De toute façon, une fois qu'il y aura les, les images, là, c'est l'ensemble. L'ensemble est là. Là, j'essaie de marquer les faces de, euh, de chacun des cristaux, tout simplement. Alors là, je vais le faire redescendre un peu plus bas sur le torse. Il faudrait que... Je m'applique peut-être un tout petit peu plus, avoir des lignes bien droites sur les cristaux, pour que ça ressorte bien. Mais de toute façon, après, je vais revenir un peu là-dessus avec, euh, avec la couleur. Euh, donc, bah on continue, hein, c'est toujours. Bah, souvent, là, je, alors, faut, je pourrais essayer de. Euh, comment dire De chercher une vraie perspective, d'une perspective un peu juste avec les cristaux, et vraiment bien les construire en volume. Euh. Mais sans faire ça, j ai, j ai, on voit à peu près l'idée, mais sans faire ça, ça passe. Donc, parce qu'on est des gros flemmards et qu'on et ben on triche, on triche. On ne fait pas exactement euh, correctement les volumes. Parce qu'une fois qu'on va passer après la couleur et tout ça, ça devrait fonctionner, même si ce n'est pas entièrement juste. Hop. Même si les, euh, comment dire, les perspectives, les volumes ne sont pas nickels, ça passera quand même. J'essaie quand même de marquer les faces en fait hein, de chacun. Des, euh, euh, des cristaux qui ressortent, là, qui sont incrustés dans ce personnage. Qui, comme je vous le disais, c'est un envoyé des dieux. Euh, qui est là pour sauver le monde et les et les joueurs vont l'aider ou au contraire le tuer <laughs> on sait jamais ça, ça avec les joueurs on sait pas <laughs> on sait jamais trop ce qui va se passer euh... Euh, pour, Pourrais-tu répondre à ma question plus tard, s'il te plaît? Euh, FDA, salut. Ah, pardon. Tu travailles à la souris ou à la tablette graphique? Excuse-moi, FDA. J'avais pas vu ton message. Je travaille non à la tablette graphique, à la tablette graphique. Je, c'est, euh, ce n'est pas euh, gérable de dessiner en tout cas. Non, c'est pas gérable de dessiner comme ça à la, euh, euh, à la souris. Euh, alors, si tu vois un gars est capable de faire de travailler comme ça avec ce hein, de jeter les, les dessins d'avoir ce type de rendu à la souris je, je serais euh, ravi de le rencontrer <laughs> en tout cas de voir son travail euh, c'est possible de faire quelques trucs à la souris dessiner par exemple en vectoriel euh, c'est, euh, tu peux le faire à la souris. C'est, c'est pas forcément pratique, mais alors moi je, je je suis pas je suis pas très fan du travail vectoriel, mais il euh, y en a qui font des trucs absolument superbes et qui euh, bossent un petit peu à la souris. C'est beaucoup, c'est plus simple parce que tu vas plus placer des points. Que, euh, enfin, tu peux euh, travailler en points, c'est-à-dire euh, dessiner de point en point. Mais tu n'auras pas ce type de rendu là. Euh, Pour le coup, là, moi, j'utilise une euh, Wacom euh, Cintiq, euh, qui est une tablette euh, écran. Euh, après. Il y en a qui aiment bien ça, travailler sur tablette et grand. Moi, j'aime bien, comme ça, je vois, en fait, où est mon. Euh, comment dire. Euh, où je dessine, en fait. Et il y en a qui euh, travaillent euh, beaucoup, qui travaillent avec des tablettes de plus classiques, c'est-à-dire sans écran. Euh, et euh, qui font des choses absolument fantastiques. Donc, ce n'est pas du tout euh, un prérequis. Euh, des petites. Il euh, y a des. Petite tablette maintenant vraiment pas chère que tu peux te procurer si tu as envie de, de t'essayer aux dessins numériques, aux illustrations numériques, qui, euh, qui sont vraiment bien. Il y a bah, il y avait, pendant très longtemps, il n'y avait que Wacom qui euh, faisait... Enfin que Wacom, quasiment. C'était le seul les seuls euh, à faire euh, des tablettes. Euh, vraiment bien pour les euh, pour le dessin euh, dorénavant il y a pas mal de concurrentes euh, comme Xpain et ou Yuan je crois les tablettes Yuan ou quelque chose comme ça qui sont qui sont de très bonne qualité aussi je les ai pas essayé mais des retours j'en ai vu en tout cas il y a des gens qui font euh, qui arrivent tout à fait à travailler avec là où avant on, euh, si tu n'avais pas une Wacom tu ne c'était le reste de la concurrence était vraiment euh, vraiment de mauvaise qualité. il y en a pas mal qui dessinent sur iPad et même euh, des Starter pro oui oui tout à fait ouais ouais et effectivement il y a iPad euh, mais bon grosso modo c'est la même chose que qu'une qu synthique un iPad euh, sauf que non c'est non c'est pas la même chose parce que tu peux te balader avec ça te fait comme un peu comme un canard de croquis le problème de iPad et de et de plus généralement euh, euh, Apple euh, c'est qu'ils ont tendance euh, ben, à travailler avec, euh, comment dire, dans, dans leur système fermé. Ben, c'est Apple. Quoi, et, qui, euh, et du coup, avec Apple, tu ne, euh, je crois qu'avec iPad, je ne suis pas sûr que tu puisses travailler avec euh, les versions complètes de Photoshop. Euh, tu es obligé de passer euh, par... Alors je crois qu'il y a une version spéciale pour... Euh, euh, iPad ou ce genre de choses mais euh, euh, t'as pas les versions complètes t'as plein de logiciels qui sont pas, euh, pas utilisables avec et ça c'est euh, pas génial c'est le truc pour lequel je me suis balancé euh, là-dedans il, euh, il y a les qui, enfin, il y a qui fait aussi des, des sortes de tablettes euh, mais très haut de gamme euh, Enfin, pour ne pas dire complètement hors de prix, euh, qui euh, pour le coup, je ne, ne suis, euh, je trouve les tarifs euh, vraiment trop excessifs pour pour l'outil. Euh, Alors moi, j'ai du mal avec cette jambe là. Elle me plaît pas du tout. Hop, jambe gauche. Euh, oui, c'est logique en vrai. Euh, je suis en, inf euh, en infographie, donc je vois comme c'est galère. Et oui, du coup, je pense en commander une euh, le mois prochain pour commencer. Mais tout à fait, tu regardes. Après, je ne sais pas, ça, ça dépend si tu euh, veux euh, y passer beaucoup de temps ou pas. Euh, mais euh, ne te... Si, si tu débutes, tu n'es pas du tout obligé de te ruiner. Tu peux avoir des trucs qui sont très bien aujourd'hui pour euh, autour de 50, entre 50 et 100 euros. Ce qui est quand même une petite somme à sortir, hein, mais euh, ce n'est pas gratuit. Euh, mais euh, tu... Euh, euh, disons que c'est un peu plus accessible. Putain, je sais pas ce que j'ai avec cette euh, jambe, j'arrive pas à la placer correctement. Euh, je pense que je vais un peu plus écarter. Hop, essayer d'avoir une perspective. Ouais, quelque chose comme ça en fait. On va accentuer la perspective. Hop là. Avec mon cristaux ballerine. <laughs> mon cristal ballerine. Euh... Une bonne tablette avec récord pour euh, pas trop, ce serait combien euh, ce sera vers combien je, Alors je crois qu'aujourd'hui tu peux en trouver autour de, de 150, vraiment pour le, le plus bas de gamme. Euh, après ça peut monter très cher, euh, mais je crois que... Alors, je sais, oh, honnêtement, je vais, dire, je vais te dire des conneries, mais euh, c'est ça, ça commence à 100 euros, ça peut monter jusqu'à 4000 balles. Euh, à 100 euros, je ne sais pas ce qu'elles valent. Je sais que, par contre, il euh, y a des choses de très bonne qualité euh, autour de 500, 600 euros. Ou là, pour le coup, tu peux avoir vraiment quelque chose de super bien. Euh après c'est un gros euh, c'est un gros investissement autour de 100 euros De toute façon euh, autour de 100-200 euros ce sera avec des tout petits écrans euh, ce qui est pas ce qui sera pas forcément euh, très pratique ben ça dépend il y en a que ça dérange pas mais euh, moi je sais que j'ai besoin d'avoir un écran quand même un peu plus euh, un peu plus grand par exemple ce sera plus autour des 13 euh, des trucs de 13 pouces ce genre de choses euh, si tu veux quelque chose qui soit un peu plus euh, euh, un peu plus grand, euh, euh, je trouve que 16 pouces c'est bien. Autour de 16 pouces, ça commence à être bien. Enfin, ça commence à être acceptable. Euh, après, euh, le top, euh, moi j'aime bien. Moi j'ai une, je suis sur du une 22 pouces, euh, ça marche très bien. Mais bon, là tout de suite, on commence à, à chiffrer. Là, pour, pour autour des 22 pouces, tu seras plus autour des. Euh, 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 des 500, Entre 500 et 1000 euros. Bonsoir, Guillaume Martel. Après, pour les... Euh, comment dire Pour les, les tablettes plus euh, classiques, c'est-à-dire sans écran, euh, là, pour le coup, après... Euh, ça va osciller entre 20, euh, pardon, euh, entre oui 50 et 300 euros pour les, les plus hautes de gamme. Euh, et je crois que ben, autour des 100 euros, tu en as vraiment des très très bien. Autour des 100 balles, tu en as vraiment des super. Des trucs qui n'ont absolument rien à envier à des machins euh, pro. Hop, allez, on continue. Euh, Qu'est-ce que... Donc, bah on continue ce petit dessin. Euh, vous voyez que j'avance hein, doucement, hein, doucement mais sûrement. Avec euh, la petite... Euh, je vais commencer à avoir finir mon, mon esquisse. Je vais aller pouvoir bientôt commencer à travailler en... Euh, hop, je des bêtises, pardon, je pense à autre chose. Euh, à mettre en couleur. Je vais essayer juste de faire ressortir un tout petit peu mes, euh, mes contours. Je vais faire ça dans quelques instants, mais je vais quand même essayer de finir le dessin avec notamment. Alors c'est toujours là, là, de faire des raccourcis de bras, de jambes. Là, ça c'est toujours des machins, c'est des casse-têtes pour euh, trouver un truc qui paraisse juste, qui se fasse pas trop bizarre. C'est euh, vraiment jamais évident. Quoi. Jamais... Typiquement, je pense que sur ce genre de choses, ça peut être intéressant d'avoir un espèce de modèle, de, de choper des modèles en 3D dans un logiciel comme Blender, euh, quelque chose comme ça, euh, de placer son, euh, euh, son personnage et ensuite de le... Euh, euh, de, de limite faire en tout cas pour la pose pour la pose euh, globale d'avoir quelque chose de bah de reprendre en fait le modèle faire le décalquer tout simplement hein. de le décalquer ah, putain, pardon je dis putain comme ça là je lâche des putains gratuits euh, non j'arrive pas vous voyez j'arrive pas à trouver une une, une pose sur cette jambe là qui me, qui me plaise Je l'ai peut-être hein, un peu trop. Autant l'assumer. Hein. Ouais, comme ça. Je suis pas loin de ce que je voulais. Hop. Quelque chose comme ça. Je vais essayer. De... Après, je tricherai de toute façon. <laughs> Quand on n'arrive pas, on, va camou on camoufle. Hein, la fameuse technique du camouflage. C'est pas joli. Je mettrais ben en fait je, je mettrais un peu de une espèce de euh, petit nuage, une petite brume à ses pieds. Parce que c'est complètement dans l'illustration et parce que on, on camoufle. Euh, fait, alors qu'est-ce que tu me demandais Et euh, eh ben merci pour tes conseils. Je pense prendre une pas trop chère, sans écran pour commencer. On verra après. Je pense que as raison. Euh, tes lives et vidéos euh, sont de super qualité. Merci. J'adore ce que tu fais. Euh, c'est beau. Ben merci. Merci, c'est très gentil. Euh, euh, Red. Alors je sais pas euh, euh, comment je dois t'appeler. FDA, euh, Red, Mea. Je, je ne sais pas. Donc euh, <laughs> merci à toi en tout cas. Ça fait plaisir. Et les gens, bah, ça fait toujours plaisir qu'il y ait des gens qui apprécient le boulot qu'on fait. Hop. Euh, allez, on est euh, sur la pause. Allez, je vais. Ça euh, ira, ça va aller. Je vais juste, alors, juste faire ressortir, comme je vous le disais, les, certains éléments. Je vais prendre un pinceau un tout petit peu plus gros. Je vais Venir faire le contour déjà global. Alors il y a un truc hein, qui est important, euh, enfin moi je trouve important dans les. Euh, quand on joue comme ça avec des figurines, c'est qu'il faut qu'elles se détachent bien du décor. Donc je vais accentuer, je vais vraiment faire un, un contour euh, un peu euh, exagéré. Du personnage pour vraiment qu'il ressorte bien. À la fin aussi, on fera des petites, euh, comment dire, euh, euh, des petites ombres au sol. Mais ce sera pour le coup à la fin. Là, je vais juste lui faire un espèce de contour noir un peu là qui permet de bien, qui va permettre de bien le détacher du euh, de la scène. Voilà, là on s'en moque. Hein. Peut-être que si j'y arrive là, si j'ai le temps, j'essaie de le mettre dans un logiciel j'essaie de le mettre dans un logiciel dans, dans Foundry par exemple j'essaie Je de voir si il ressort bien un truc qui serait bien d'ailleurs j'ai vu que dans Foundry on pouvait faire des tokens animés avec des gifs ça, ça pourrait être sympa à faire lui qui faisait bouger les tokens, Foundry, ça... alors euh, ah d'ailleurs, euh, je vous le redirai tout à l'heure, mais je le dis tout de suite. Il y a jeudi, je fais un live sur Foundry avec les gens du euh, euh, qui sort, euh, qui organisent le Discord français FR de Foundry. Alors un des Discords, je ne sais pas s'il y en a plusieurs, mais en tout cas un qui a l'air assez, je pense qu'il est assez euh, euh, un des premiers que j'avais trouvé euh, sur euh, Discord. Euh, ils viendront discuter. Et me montrer euh, Foundry VTT, euh, que je connais un peu, mais voilà, je trouvais que c'était bien d'avoir des gens qui, qui s'y connaissent bien, qui viennent, en qui viennent en parler sur la chaîne. Donc, jeudi, il y aura un petit live, du coup, un petit peu euh, impro pas improvisé, mais du coup, euh, euh, tu as une jolie euh, euh, Discord, en tout cas. Euh, ah, top Foundry, c'est très bien, oui. Euh, tu as un joli Discord, en tout cas euh, bonne soirée FDA. Euh, tu as déjà dû partir. Euh... Et du coup, il y a... Euh... Euh, oui, 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 ouais, du coup, un petit live jeudi sur euh, à propos de Foundry VTT. On verra un petit peu ce, qui, euh... -ce que cette petite équipe, euh, ce qu'ils ont à dire. Euh... Enfin non, en fait, je vais essayer de bah, profiter qu'ils soient là pour essayer de faire un résumé de tout ce qui est... Euh... Euh à disposition dans Discord, qu'est-ce qu'on peut faire avec, quelles sont les choses qui sont sympas, quelles sont les choses qui sont un peu moins sympas. Alors eux, c est, c est, les gens qui vont être avec moi, là, c'est pas un, un débat, hein, c'est des gens qui, qui aiment bien, qui adorent Discord, qui trouve ça vachement bien. Donc euh, je pense que le mais du coup, ça sera l'occasion voilà, de, de poser pas mal de questions. Et ça sera l'occasion, voilà, justement, d'avoir Si vous êtes par là, n'hésitez pas à passer. Si vous avez des questions sur le logiciel ou des remarques sur le logiciel, n'hésitez pas à passer. J'essaierai d'être un peu plus attentif au chat euh, pour cette euh, sorte de table ronde sur le logiciel. Mon euh, Discord est bien rempli, je veux dire. Ah oui, 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 oui Ouais, bah, on, on essaye, on essaye de faire euh, de le faire vivre un peu, bah, c'est pareil, il hein, faut euh, bah, que je mette plus de choses régulièrement. Ce serait bien de le rendre un tout petit peu plus vivant. Là souvent je montre, bah, c'est souvent les, les lives, ce genre de choses, mais bon. Ça dépend. Des moments. Et des... Euh, parce que... Eh bien, c'est d'avoir des... Euh, euh, d'avoir aussi des gens qui, euh, qui partagent certains, euh, certaines choses, mais on ne peut pas les forcer. Euh, donc allez, je vais maintenant essayer de mettre tout ça en couleur. Euh, pour ce faire, je vais d'abord euh, faire un petit truc. C'est que je vais... Euh, il est où Il est là ce dessin. Ok, là c'est le. Euh, c'est le ref. Je vais juste aller prendre un petit pinceau qui est celui-ci. Je vais le monter euh, j'enlève l'opacité euh, euh, transfert euh, dynamique des formes il veut ou il veut pas hop là c'est ça donc je vais simplement aller prendre du blanc et je vais faire je vais le remplir rapidement entièrement en blanc c'est pour tout simplement que ce soit plus simple juste après pour faire la mise en couleur. Que je, je me casse un petit peu moins la tête sur la mise en couleur. Que son application soit plus facile. ça m En fait, ça va m'éviter de déborder. Et euh, d'être sûr aussi que ça soit bien opaque. Euh, ensuite, quand je vais euh, l'exporter, quand je vais l'utiliser euh, dans euh, un logiciel, quand je vais l'exporter par exemple dans Foundry, qu'on ne voit pas, euh, qu'il ne soit pas un petit peu transparent. Alors, il faudrait quand même que je sois. Un petit peu plus euh, soigneux là-dessus. Tant qu'à faire. Évitez de faire le sagouin. S'il vous plaît, monsieur Gogos. Faites-nous ça propre. Merci. Hop. Euh, D'ailleurs, tu fais quoi dans la vie de tous les jours, en fait euh, Dans la vie de tous les jours, je suis euh, animateur de formation. Je fais des. Je travaille dans le cinéma d'animation. Plutôt en... en 2D. Tout ce qui est animation 2D. Hop. Et. J'essaie en ce moment de me rediriger un petit peu plus vers l'illustration, parce que je, il y a des fois où euh, c'est bah, comme tout, hein. c comme tous les métiers, il y a des fois où c'est un peu chiant. Donc euh, là en ce moment, j'ai envie de, de faire un petit peu plus vers de partir un peu plus vers l'illustration. On verra euh, si ça prend. C'est euh, mais c'est c'est hyper intéressant le cinéma d'animation c'est vraiment super intéressant. Euh, tu es salarié ou indépendant si ce n'est pas indiscret. Euh, dans le cinéma d'animation, je suis salarié. Euh, en général, t'es salarié. Euh, tu tu te fais embaucher en général. Alors quand t'es animateur, t'es technicien. Tout simplement, es, euh, tu vas te faire embaucher en tant que euh, dans une boîte de production en général. D'ailleurs, les, les gens qui travaillent dans le cinéma d'animation, je ne sais pas si les animateurs, par exemple, dans le jeu vidéo, si, si c'est la même chose, mais dans le cinéma, on est considéré comme des intermittents du spectacle. Euh, donc, euh, tu, ça te permet d'avoir euh, des avantages, euh, certains avantages qui ne sont pas négligeables, euh, notamment ben, d'être intermittent, c'est-à-dire euh, de pouvoir avoir un. Euh, un système de chômage un peu différent que le que le régime général donc pour ça c'est intéressant euh, après quand tu vas être euh, euh, oui en, en général de, dans, le, dans le cinéma d'animation là c'est où que ça ça peut être aussi bien euh, le long métrage que la série ou ce genre de choses euh, les gens sont, euh, sont 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 intermittents la plupart euh, c'est beaucoup plus euh, intéressant pour eux euh, dans le jeu vidéo je sais pas comment ça marche euh, je vous avoue euh, après dans les, les agences de pub les agences web euh, souvent euh, il peut arriver qu'elles fassent appel en fait à des studios d'animation donc pour le web après je ne sais pas exactement comment ça marche salut julien 187 bienvenue à toi et eh ben tu as bien raison, bonne chance, merci! <laughs> euh, et ouais, non, non, et, bah, après, c'est euh, très intéressant. Hein, L'anime, c'est euh, bah, pareil, il y a plein de métiers, il y a plein de styles d'animation différents, il y a plein de choses euh, très différentes. C'est euh, un secteur qui est très très riche. Euh, c'est bah, Après, c'est comme tout, tu as, euh, bah, as des, des choses qui. Euh, des avantages et des inconvénients. Euh, alors, alors, là, il faut que je fasse CTRL D. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Comme ça, ça m'évitera de. Euh, euh, comment dire Dessiner derrière. Hop, je vais. Euh, alors là, j'ai ma petite image qui est ici. Mince Pourquoi ça a fait ça euh, Je sais pas ce que j'ai fait. Des bêtises. Ça, très certainement. Ah oui, ok, là, okay. je fais n'importe quoi. Hop là. que je passe. Euh, pardon, j'ai un, un tout petit souci. Je vais que j'essaye de régler. Euh, non, ce n'est pas là. J'aimerais revenir, s'il vous plaît, sur la page. Il veut bien. Oui, c'est bon. Pardon, j'avais perdu ma souris. Euh, c'est le raccourci clavier là qui... Hein, des fois je fais des petites bêtises. Hop, donc on appuie sur Alt. Je vais aller chercher une couleur, la couleur qui euh, me faut pour essayer de, la re, de reprendre à peu près celle qui était dans, euh, comment dire, sur euh, l'illustration originale. Euh, tu fais des formations en ligne, euh, études euh, ou tout seul euh, Non, j'ai euh, euh, j'ai fait euh, les beaux arts euh, jusqu'au jusqu'à la licence. Euh, c'était oui, c'était ça, c'était la licence. Et après, j'ai fait une école euh, spécialisée dans la mise en scène, dans le cinéma d'animation, euh, qui s'appelle, euh, Je vais dire, qui s'appelait mais non, qui s'appelle toujours l'école de la Poudrière, euh, qui n'était pas vraiment une école technique, qui euh, euh, permettait, qui était plus une école qui euh, en fait euh, euh, donne une formation vraiment pour le coup en, en mise en scène, qui vraiment va essayer d'apprendre en tant que metteur en scène dans le cinéma gestion du son, gestion de la euh, comment dire euh, d'avoir une vision globale des, de, ce qui, les, de ce qui est nécessaire pour euh, faire du cinéma d'anime Hop là euh, hop, je vais aller chercher maintenant là en fait je suis en train de me faire un petit euh, comment dire de donner les bases globales une teinte globale à mon à mon illustration et je vais aller essayer de travailler ça un petit peu plus Ensuite, mais comme ça, j'aurai une teinte globale et une dynamique de. Comment dire euh, Coloré. Hop. Avec les petits pattes blanches, c'est parfait. Euh, alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions euh, Euh, non, on était toujours sur la même. Après, ben euh, après, il y a des gens qui... Euh, les, euh, les écoles d'art, en règle générale, de ce que j'ai vu, alors euh, tu peux... Il y en a qui s'en passent, euh, très bien, qui arrivent, mais en fait, euh, là où euh, ça te permet... Euh, où elles peuvent être intéressantes, où elles sont principalement intéressantes, c'est que, bon, tu, tu vas quand même, euh, tu vas apprendre des trucs, hein, c'est indéniable, il y a des, enfin ça doit dépendre des écoles, hein, il y en a, il y a forcément des gens, c'est un peu des, des, euh, des vendeurs de rêves, mais euh, tu vas apprendre des choses, mais surtout ce qui va être très intéressant, c'est le réseau que tu vas te faire. Euh, pour ça, c'est bien, que ce soit au niveau des profs ou des élèves. C'est-à-dire les rencontres que tu vas faire, les gens que tu vas, euh, euh, ouais, tous ceux que tu vas rencontrer. Pour ça, c'est euh, les écoles d'art sont quand même euh, euh, très intéressantes à suivre, les études en école d'art. Pour ça, c'est pas mal. C'est ce qui va beaucoup euh, aider après. Hop allez on va chercher le petit panel hein. le petit panel coloré je vais aller chercher d'ailleurs un peu de foncé un noir je vais l'amener là comme ça je l'aurai déjà sur mon dessin n'aurait pas besoin d'aller le piquer ailleurs euh... on voit plus ton photoshop ah mince ah oui oh putain d'accord ok pardon excusez-moi ah oui oui je... on voit mon live quoi allez, pardon je suis navré 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 c'est j'ai ah oui d'accord j'ai fait depuis tout à l'heure ça doit bugger <laughs> Ça m'arrive alors hop je sais pas pourquoi ça fait ça hop automatique euh, non hop là voilà normalement normalement ça devrait être bon navré 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 pour ce petit désagrément euh, vous faites bien de me le dire il fais bien de me le dire parce que je n'avais pas forcément la vision sur le truc je sais pas ce qui, est, ce qui a pu se passer je pense que c'est quand j'ai eu mon petit bug là tout à l'heure le, log... Le... Le PC a dû avoir un peu de mal. Alors, Je sais pas pourquoi. Il veut pas me garder mon opacité. Pas gentil ça. Hop, je continue. C'est bon, merci en avant-go, merci. <laughs> vrai, parce que moi je continuais. hein. pas. Je n'avais pas fait attention. Hop. Allez, on continue du coup à placer... Ben là pour le coup, on va. je vais essayer... Enfin, pas, je vais essayer. Je vais faire les... Euh, commencer à placer... Ben, je place les ombres hein, tout doucement. Je commence à placer les ombres. Je vais faire aussi... Je vais essayer de, de garder ce truc avec la, euh, la lumière qui vient d'en dessous. La petite louche qui vient de juste en dessous. Je vais essayer de garder ça. Euh, je vais aller juste chercher un peu le rouge là je vais rechercher le rouge vif. J'essaie je de marquer un tout petit peu plus certains éléments lumineux. Il y a toujours un petit côté un peu jeté. Hein, ça, j'aime bien. J'aime bien garder ça. Pas forcément être dans le. Euh, dans le dessin extrêmement détaillé. J'aime euh, conserver ce petit truc un peu. Euh, Qu'on voit le coup de pinceau. Hop. Je reprends mes petites couleurs. Et je, en fait, je vais bien. Vous voyez qu'à chaque fois, je viens piquer une petite couleur. Euh, je euh, et je vais, je, je joue en fait sur le dégradé. Avec ça, j'en prends une foncée. Je reviens avec la plus claire. Je reviens avec la plus foncée. Et je fais des allers-retours comme ça pour travailler mes, pour travailler mes dégradés. Euh, toujours essayer d'abord de, enfin moi, oui, je conseillerais hein, de toujours essayer de de partir d'une vision euh, plutôt globale. Essayez toujours plutôt ne jamais trop rester sur des euh, sur des petits détails. Euh, Essayez justement de, euh, de faire d'abord l'ensemble et ensuite revenir un petit peu sur les détails là où ça, où ça nous semble important. Pas forcément partout d'ailleurs. En tout cas, moi c'est comme ça que j'aime bien. Euh, que ce soit mes illustrations ou même les illustrations des autres. Hop, allez, je vais aller chercher un petit peu cette espèce de euh, blanc pour faire ce petit euh, cette petite outline, height line, height je sais plus, moi je crois que c'est comme ça qu'on dit. Euh, je sais plus exactement, il y, y a un terme exact pour euh, ces ces lumières additionnelles. Hop. Je vais en rajouter un petit peu là. Mais normalement, on n'est pas censé beaucoup la voir, justement, vu qu'on est au-dessus et que la lumière, elle vient d'en dessous. Hop. Juste foncer un petit peu le passage, le bas du visage. Hop, là, je trouve que ça ne marche pas bien sous le visage, justement. Il ressort pas bien. J'essaye de retravailler ça, d'aller faire des petites touches. Et là, je vais commencer à aller un tout petit peu dans le détail et travailler un peu plus. J'ai l'image, le global, là, demain, des lumières de mon perso. Et je vais aller chercher le détail maintenant. Euh, Qu'est-ce que vous me dites C'est bon, bah ça, du coup, pas de, pas de questions sur le chat. N'hésitez hein. pas. N'hésitez hein. pas, j'essaye de, de regarder quand même de temps en temps, même si je suis concentré sur le dessin. Hop euh, Je vais juste aller quand même piocher un petit peu la lumière très claire, les lumières très claires sûres que je vais utiliser sur le... Bon, les petits reflets, sur les cristaux. Je mets des petits coups des petits à coups comme ça et bah tout de suite ce que je vais faire maintenant je vais aller travailler le détail cette fois ci de la tête alors pour en fait pour ce travail de détail ce que je vais faire même c'est que je vais aller sur un nouveau calque qui est au-dessus des deux autres et je vais comme ça je vais même pouvoir passer par dessus euh, les lignes euh, les lignes noires euh, que j'ai fait le, les contours qui sont faits alors juste je vais euh, désélectionner par contre, mon. Hop, le dessin pour ne pas vraiment pouvoir manipuler et me balader comme je veux. Allez, on va essayer maintenant d'aller pousser un petit peu les détails. Je vais aller chercher mon petit. Euh, un espèce de petit blanc. On va faire ressortir ses yeux. Déjà, ça, ça marche mieux. Ça, c'est important. Les yeux, s'il un truc à un moment dans un dessin, euh, vous disiez qu'est-ce qu'il qu faut, sur quoi il faut que je m'attarde, euh, sur quel élément, euh, si vous avez un doute que vous cherchez, euh, quel élément vous voulez un peu mettre en valeur. Les yeux, c'est très souvent ou quasiment tout le temps euh, une bonne solution. <laughs> si vous êtes perdu, travaillez vos yeux, c'est toujours un truc qui est euh, euh, important pour le... Dans le dessin. Hop. Là je vais, je ne vais pas forcément dans un truc extrêmement poussé. Hop, je vais bosser un tout petit peu mes lèvres, lui faire ressortir un tout petit peu les lèvres qui sont ici. Hop, je vais lui rajouter quelques petites rides. Je vais reprendre le dessous là du. Du menton, comme s'il y avait cette petite lumière qui arrivait. Je pense que je vais travailler, j'ai bien travaillé le. Ben en fait, comme le dessin précédent, l'illustration précédente, je vais bien travailler, euh, enfin travailler un peu plus le visage et la euh, euh, et les cristaux qui sont les trucs importants du personnage. Le reste, je pense que je pourrais être un peu plus euh, rapide. Euh, C'est vraiment beau, mais par contre, si tu dois en faire euh, 10 comme ça, euh, pour une partie, ça va être chronophage. Oui, tout à fait, mais ça, si je, euh, je le ferai pas. <laughs> je le ferai pas. Non, j'en euh, ai acheté de temps en temps, mais en fait, je les utilise rarement. Euh, euh, j'en avais, avais acheté que quelques-uns. C'est Comment ils s'appelaient euh, oh, euh, Devin, je crois, Devin Token, quelque chose comme ça, le gars s'appelait comme ça. Euh, c'était assez beau ce qu'il faisait, hein. C'était, euh, euh, c'était très, très, sympa. Euh, mais non, je ne ferai pas effectivement tous mes, tous mes trucs comme ça, mais je vais aller euh, soit en récupérer chez d'autres. Et en fait, souvent, euh, je m'emmerde, je m'ennuie pas du tout à faire, euh, à faire tout ça. Désolé pour euh, essayer, essayer d'éviter quand même de dire, hein, de. <laughs> Parler comme un Chartier. Euh, je vais essayer d'avoir euh, euh, plutôt juste des petits tokens très simples fait avec l'outil Token Tool. Euh, grosso modo, il y a juste euh, un portrait dans une, euh, euh, c'est un, une espèce de petit portrait dans un cercle rond. Ça me, en général, ça me suffit largement. On ne bête pas à faire euh, à faire autre chose. Oui, parce que sinon, bah oui, forcément, là on en, on en aurait pour des heures. Euh, sauf si tu en fais, ben, euh, si tu euh, veux gagner, euh, si tu veux les vendre après. Mais oui, pour faire du euh, effectivement, juste ces persos, euh, surtout si tu te balades un peu, si tu en fais beaucoup. Mais après, pour ce genre de choses, c'est-à-dire un personnage un peu important de ta campagne. Bah. Bon, après, je vous avoue, je ne sais même pas si je vais trop le sortir, ce token. Euh, moi, dans ma campagne, c'est aussi pour le plaisir de vous, euh, de vous montrer, veut, de faire un petit token avec vous. En live. J'en fais quasiment jamais. Soyons honnêtes. Pas des s'il vous plaît, entre nous. Hop. Et, vous voyez que petit à petit, en fait, il y a le. Le contour noir qui s'efface, hein, qui s'efface, oui, que j'efface, je viens le manger en fait avec mon euh, avec mes dessins. Petit à petit, il tout le contour noir qui, dis, euh, qui disparaît avec les détails. Euh, C'est euh, une technique qui peut être sympa, justement, parce que si euh, vous avez réussi à faire une belle, euh, une belle illustration, enfin une belle illustration, euh, vous avez un beau tracé. Et euh, bah, vous pouvez petit à petit euh, bah, l'éliminer, le faire disparaître, tout en gardant une, euh, euh, les formes principales, tout en gardant en fait, les, euh, les choses qui sont mises en avant. Hop, je vais reprendre un petit, euh, hop, une petite lumière. Je pousse un peu plus les contrastes hein, que sur la illustration précédente comme je vous dis pour les mêmes raisons que je disais tout à l'heure c'est à dire de faire ressortir les euh, la euh, le token pour que ce soit lisible donc on peut pousser un petit peu les contrastes hop là je vais aller maintenant en fait, surligner chacun des petits éléments hop, de pas des petits éléments, euh, chacun des, des, des arêtes de mon euh, de mon cristal. Hop, on fait ça. Très simplement, je vais essayer un petit peu. Je vais, on sait quand même donner essayer de donner un peu de hiérarchie entre chaque chaque élément. Qu'est-ce qu'il y a euh, Je crois que beaucoup, comme moi, euh, vont sur Pinterest pour faire ensuite euh, des tokens. Oui, oui, oui. Moi aussi, je, je, vais, sur, euh, je vais sur Pinterest et euh, j'utilise Token Tool. Alors, hop. Alors, juste, alors là, j'ai un petit bug qui m'arrive de temps en temps. Je vais demander une petite seconde avec ma tablette graphique. Il y a 10 ans maintenant. Alors, je sais pas si c'est la tablette qui bug ou um, si c'est le truc Wacom. Il euh, faut que j'aille dans le service. Ok, où es-tu J'en ai pour deux petites minutes. Ça devrait aller assez vite. Il est quelle heure 21, 22 heures. Ok, je pense que d'ici une demi-heure, j'arrêterai. On aura fini. Euh, descendre, descende, descende, descendre. Il faut que je retrouve, voix comme professionnel de service. Redémarrer. Hop, faut que je redémarre. Grosso modo, le truc de la tablette. On va voir si ça fonctionne. Là, là. Oui, ça a l'air. Hop. Euh, oui, je suis sur le bon truc. Oui, c'est bon. Hop là. Euh, Quoique. Ça aurait fonctionné normalement. Pourquoi ne veux-tu pas marcher Petit saloperie, j'allais dire. C'est pas bien de dire ça. Ah, C'est marrant. J'ai un petit bug avec ma tablette. Est-ce que je vais. Est-ce que ça va devoir annuler tout ça Hop, Je vais essayer de faire ça. Hop. Je me mets là. Ok. Euh, 92, je vais mettre à 100%. Euh, tout a l'air bon pourtant. Pourquoi tu ne veux pas marcher Je vais essayer de faire un autre petit calque. Bizarre. Est-ce qu'il y a... C'est très étrange. Juste, je vais... Est-ce que... Euh, bah mince, alors, bah mince, bah mince... Euh, si, je... Non, si je ferme ça. Est-ce que ça va mieux On va voir. On teste. On va voir si on peut sauver le live. Ou si... Vraiment, ah, c'est marrant. Ça ne veut pas. Pourquoi ça ne veut pas Non, là, ça pique. Pourquoi tu ne veux pas dessiner S'il te plaît. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais, mais le truc a bugué. Je, bizarre. Hop là, je suis sur ce calque là. Est-ce qu'il est bon Non. Oui. Non, non C'est marrant. C'est marrant, je suis bien normal. Euh, si euh, j'ai bon je vais essayer autre chose. Je... Alors je vais tenter. Je, je, je vais tenter un petit truc. Euh, hop, je vais fermer ça. Oui, j'enregistre. C'est un autre dessin sur lequel je bosse. Enregistrer les modifications avant de quitter. Oui. Hop. Et on va euh, relancer. Ok, on va voir si ça fonctionne. Toujours pas, toujours pas. Je... Ah, il veut pas quoi. Il a pas aimé. Ok, je vais juste relancer. Euh... Je vais juste relancer Photoshop. Je crois que j'ai pas être. Je vais être obligé. Alors sinon, du coup, qu'est-ce que vous dites dans le chat pendant ce temps-là euh... C'est vraiment beau, mais par contre, oui, non. C'est ce que tu me disais tout à l'heure. Hop Allez, Photoshop, relance-toi, oh, s'il te plaît. Voilà. Si je ne relance pas, ça va pas aller. On va essayer de continuer ça. un peu Est-ce qu'il veut bien Oui. Alors il est là en tout cas. Est-ce que... Euh, est-ce que j'ai vraiment un gros bug ou est-ce que c'est un petit bug non, c'est bon. C'était ouais, le logiciel. J'étais obligé de le relancer. Donc, eh ben, on est reparti. On va continuer ça. Euh, le bug euh, que tu as, j'ai parfois le même. Je suis soulagé de voir que ça ne vient pas de moi. Ouais, mais je crois qu'il y a des. Euh, je me demande si c'est pas avec les vieilles tablettes où les, les drivers sont pas sont plus super bien aussi. Euh, je crois que c'est Photoshop moi qui le fait le bug et Je ne sais pas. Euh, en tout cas, moi, avec les… Ouais, c'est Wacom, moi, qui me fait euh, Wacom et pho Photoshop. Euh, au bout d'un moment, ça, ça me fait faire… il y a des… qui vont plus. Donc, obligé de relancer en fait le driver de, de, de la Wacom et de là, apparemment aussi de relancer Photoshop. Hop, allez, on va continuer à travailler un petit peu. C'est pareil, hein, faut pas non plus se prendre la tête pendant des plombes euh, sur le dessin, sur les détails, ce genre de choses. Tout simplement parce que en fait le personnage sera vu à peu près à cette taille-là, quoi. Sur la taille de, de la, du petit icône. Donc ça vaut pas le coup d'y passer euh, 15 jours sur les détails. Hein. Les gens ne vont jamais aller le regarder vraiment dans le détail. En général d'ailleurs, là je suis à 2000 pixels sur 2000 pixels. Tu ne vas jamais aussi loin. Enfin, euh, tu n'en fais jamais euh, autant. Euh, de euh, tu vas être plus sur du 256 pixels tu vois pour du token ce genre de choses par 256 donc euh, pas non plus euh, s'embêter pendant des plombes hop là je vais faire ça je vais juste chercher une couleur un peu plus pâle montrer les éléments qui sont un peu en arrière-plan hop je vais juste reprendre un tout petit peu le noir qui est ici Hop, et je vais aussi affiner justement là un tout petit peu les noirs les contours là je vais quand même les laisser parce que c'est ce qui va permettre de euh, vraiment faire la transition entre la comment dire le euh, le fond et le personnage, donc vraiment sur les bords, hein, tout ce qui est noir des côtés, j'essaie quand même de les laisser, voire un petit peu de les accentuer. Euh, hop, les calques. Pour... Ouais, merci, j'aimerais avoir mes calques à portée de main, s'il vous plaît, hein, un peu de, de savoir-vivre. Hop, c'est juste là. J'en rajoute un peu, je pense que là je vais bientôt être bon, en tout cas pour cette partie-là. Et une fois en fait que, bon, là j'ai fait mon mon personnage, enfin mes éléments de euh, mes cristaux, ce que je voulais mettre en fait en avant, tout simplement. Une fois que ce que j'ai voulu mettre en avant est un peu près bon, je, je vais aller beaucoup plus vite sur le reste. Donc, là, par contre, les petits cristaux, faut bien qu'on les identifie. Donc, je vais accentuer encore, faire des petits euh, lines ». Je sais plus comment ils disent ça, les vrais pros, qui parlent tout en anglais. Euh, Tout simplement les re, euh, accentuer les arêtes de mes cristaux. Je vais même pousser, je vais aller chercher un, petit, un truc, un blanc vraiment quasiment pur. Pas tout à fait, mais vraiment très clair. Vraiment faire ressortir tout ça. C'est ce qui marche bien en fait avec euh, les choses qui sont censées avoir des reflets ou refléter euh, ce qu'il y a à l'extérieur, euh, ce c'est-à-dire d'avoir des conflits. Euh, des contrastes très forts. Grosso modo, quand une matière est très dure et très lisse, il va faire beaucoup de reflets. Si vous voulez faire un truc qui marche bien, vous faites des contrastes très forts avec des trucs qui vont quasiment être des noirs et euh, qui va quasiment du noir au blanc. Vous faites des gros contrastes très forts et on sent du coup que là, le, euh, les volumes, euh, enfin que la matière très euh, euh, réfléchissante. C'était le mot que je cherchais. Hop, allez. Je pense que pour... Là, je suis à peu près bon. Juste atténuer un tout petit peu celui-ci. Je m'éloigne un petit peu. Ça m'a l'air pas mal. Je vais revenir toujours avec cette petite couleur. Cette petite couleur, pareil. Là, je vais accentuer un tout petit peu les bras. Euh, rajouter quelques petites un peu de lumière sur les bras éclaircir un peu ça Même si pour faire ressortir en fait le volume hein, essentiellement toujours pareil hein, c'est à ça que servent les ombres hein. je ne vais pas sur quelque chose de très détaillé j'ai pas besoin c'est pas ce, ce sur quoi je veux attirer l'attention on essaie d'être un peu près cohérent, mais c'est pas, ouais, pas ça qui, euh, que je veux mettre en avant là, sur cette illustration. Hop, je vais juste par contre, faire un petit reflet lumineux là pour garder cet, euh, cet esprit de la, euh, de la petite lumière qui vient d'en dessous, et ensuite, après ça, là, je vais rajouter des petits effets. Je finis simplement un peu les bras, les jambes, je veux dire. Je rajoute des petites ombres, j'essaie de travailler un tout petit peu plus le volume, les volumes des jambes. Je vais partir sur un blanc, quasiment. Hop là, je ne suis pas trop mal. Vale. Je ne suis pas trop trop mal. Je vais euh, juste pousser un tout petit peu là, là les contrastes dans ces angles-là. Euh, alors, qu'est-ce que vous me dites euh, Tu as dit que c'était quand le live de Fonderie déjà Jeudi. Oui, c'est jeudi. C'est bien ça. Jeudi à 21h. Petit live sur Fonderie VTT. Si tu es dispo, bah, sinon, hein, bien sûr, ce sera en replay, comme d'habitude ceux qui regardent d'ailleurs cette vidéo, non, euh, après le jeudi euh, 17, euh, vous pourrez aussi trouver un truc sur Foundry VTT, la table de jeu virtuelle très en vogue en ce moment. Hop, bon, donc j'ai fait euh, j'ai fait ce perso. Je vais rajouter maintenant des espèces de petits effets, euh, juste en mettre un tout petit peu. aller chercher un peu ce blanc là. Rajouter un petit peu là, éclaircir un tout petit peu, on s'éloigne. Bah, on est beaucoup moins dans le détail hein, que l'autre, mais c'était, comme je vous disais, c'était un petit peu le jeu d'avoir quelque chose d'un peu plus léger. Ce qu'il faut, c'est que ce soit lisible. Là, le truc me paraît à peu près lisible. Alors, je vais euh, simplement rajouter, comme je vous disais, quelques petits effets. Je vais aller là, je vais prendre euh, une couleur, euh, je vais bon, utiliser du pro euh, me mettre pas en produit je crois que c'est en incrust... non lumière crue je crois que c'était ça qui marchait bien euh, je vais chercher un truc un rouge un peu un peu flashy et je vais donner avec un petit pinceau assez doux Petit effet et comme ça un peu too much là un peu too much l'effet mais je pense que ça peut marcher quand même euh... Hop là, c'est juste que le truc était un tout petit peu trop grand. Hop. et tout de suite, ça fait ça donne un petit effet, ça fait briller là. La... là je suis pas mal. Euh, ça fait, on a l'impression qu les... que les que euh, les cristaux sont brillent en fait un petit peu. Je peux baisser un petit peu l'opacité pour atténuer un petit peu l'effet. Euh, je vais le rajouter aussi du côté des yeux. Pour faire ressortir ça. Euh, là, j'ai vu qu'il y avait un truc sur lequel je voulais rajouter un tout petit peu de détails. C'est sur le cristal là, qui est au centre. Je voulais quand même qu'il soit un petit peu plus péchu. Qu'il ressorte un petit peu plus. Là, il était vraiment très très timide. Hop, je vais pousser, comme d'habitude, un peu les contrastes entre les différentes faces. Hop. On va aller chercher cette couleur-là. Je, je rajoute quelques petits détails au passage. Euh, et euh, je vais. Alors là, on va faire les trucs pour les coups. Je ne sais pas si ça va marcher. On va être un petit peu plus expérimental. Euh, je vais déjà lui faire, en fait, une, euh, une ombre. À ce personnage, une espèce d'une petite ombre là derrière, derrière, au centre. Je vais tout simplement aller euh, chercher. Je ne vais pas prendre un noir, je vais plutôt prendre un bleu foncé, un bleu très foncé, comme celui-ci par exemple. Je vais aller chercher ma petite brosse en. Euh, on va prendre plus foncé, un peu plus noir, parce que ça ne marche pas avec le contour. Quelque chose comme ça. Hop, je fais cette espèce de petite euh, de petit rond. Je vais euh, aller maintenant chercher. Euh, je vais juste la gommer un petit peu. Réduire un petit peu en fait tout simplement. Réduire un petit peu. Je vais aussi réduire un petit peu son opacité fait manger un petit peu son opacité et je vais tenter tout de même l'aventure de la euh, du petit effet euh, avec la fumée voir si ça fonctionne on va voir alors pour ce faire je vais euh, je me voilà je me suis mis sur un autre calque euh, je vais me chercher ma petite brosse adéquate spéciale hop là cloud c'est bien ça euh, là je, ah oui, je suis pas sur le bon euh, j'étais pas sur la bonne euh, sur la bonne brosse, enfin plutôt j'étais sur la gomme au lieu d'être sur le pinceau hop et on va essayer on va essayer, on va essayer de voir si ça fonctionne. Ouais. Je vais partir avec en fait un gris un peu je vais essayer de faire cette espèce de dégradé hop, dégradé lumineux que je vais venir aller vers les mains On va voir. Hein. Comment ça rend, on ne garantit pas de l'efficacité, et on va essayer. Quoi. On essaye quand même. Hop. Là, je reprends en fait un, euh, un truc un peu plus clair pour en rester en fait sur ce truc comme s'il était sur un espèce de nuage, le personnage. faut c'est qu'après ça s'incruste bien sur n'importe quel décor ça j'en suis moins sûr on verra on ira tout de suite on ira juste après le tester en fait sur un truc comme euh, bah, comme je vous le disais sur fonderie, voir s'il marche bien euh... est-ce que je vais pousser un peu je vais essayer de l'amener un... encore un peu plus derrière même pousser un petit peu le le faire passer derrière le personnage je vais me mettre sur un autre calque qui va passer derrière bon, ça ça sera plus simple pour moi s'il y avait une espèce d'aura euh, de fumée tout autour de lui on va voir si ça fonctionne j'espère que ça marchera j'ai essayer de prendre une couleur un peu plus claire si elle veut bien euh, je crois que là, je sais pas ce qu'il a. Ah non je suis bête, c'est que je suis derrière. Et moi, je fais des bêtises. J'allais euh, cracher sur Photoshop, alors que c'est moi qui fais des bêtises. Euh, euh, Foundry marche fort, c'est vrai, mais Let's Roll vient d'arriver. Euh, tout à fait, mais euh, je... Je ne sais pas si Let's Roll arrivera à détrôner Foundry. Je pense que c'est pas exactement le même truc. Euh, je ne sais pas ce qui, euh, en France, ça peut marcher parce qu'il y a, euh, parce que c'est français. Je ne sais pas si à l'international il peut avoir un gros succès. Euh, J'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je sais que les les je euh, Je suis pas sûr. Le. J'ai un, un petit souci. Comme d'habitude, je fais n'importe quoi. Hop. Reviens par là, s'il te plaît, petite. Non, je veux pas. seconde. Voilà, merci. Euh, je ne sais pas, oui, comme je disais, je ne sais pas si euh, ça va, si ça marchera à l'international, honnêtement, j'en sais rien. J'espère pour eux, hein, j'espère, je ne sais pas ce qu'il en est. Euh, ce qu'il y a, c'est qu'au niveau des fonctionnalités, moi qui propose, je trouve pas ça je sais pas pourquoi je chuchote, mais je trouve pas ça fou. Euh, ça me branche pas spécialement ce qu'ils ont comme fonctionnalité. Je... C'est pas un truc qui me, qui me botte. La fumée dans des pieds rend très bien. Merci. <laughs> Merci beaucoup. Je, suis... je, trouve aussi, je pense aussi que ça peut-être pas mal. Ça sera peut-être pas mal. Je vais en rajouter un tout petit peu là. Je vais, je vais faire un, petit, un premier petit test, en fait, un peu à la con. Mais qui pour, euh, qui va peut-être me donner une idée de ce que je veux. Ok. Euh, et si je crée un nouveau calque et que, par exemple je mets un rouge en fond. Non, plutôt un vert. On va prendre un vert parce que sinon on ne va pas s'en sortir avec le personnage qui est déjà rouge. Hop. Ouais, ça pourrait fonctionner. Ça pourrait fonctionner. Euh, si je baisse un petit peu l'opacité de ça, par contre, je vais peut-être le baisser un petit peu. Que je le baisse, ouais. baisser un petit peu l'opacité, ouais, ça pourrait fonctionner, que, ce qui est important c'est que euh, ça marche partout en fait, que ça marche sur n'importe quel euh, fond, donc avec ce petit fond vert c'est bien, ça me donne une idée, je vais juste revenir là, là éclaircir un tout petit peu, des bêtises, encore une fois, Oui, tu Oui, non, excusez-moi, je, je perds mon curseur. C'est, ça euh, c'est désagréable. Euh, c'est bon, on est toujours sur la, la bonne, la bonne scène. Ouais. Allez chercher un blanc, un blanc, s'il vous plaît, merci. Juste quelques petits effets. Oh, je pense que ça pourra, ça va peut-être fonctionner. Ça va peut-être fonctionner. Alors, je vais simplement essayer de le recadrer maintenant. Euh, je vais l'enregistrer déjà, je vais aussi l'enregistrer, c'est important, enregistrez bien votre travail, <laughs> très très important, croyez moi, euh... euh, j'appuie sur majuscule pour le faire, je vais essayer de le réduire un peu par là, euh... Voilà, pour qu'il soit bien carré, un peu plus recentré. Euh, maintenant qu'il est là, bon, je vais... Euh, je sauvegarde, je vais aussi euh, enregistrer sous euh, Home Crystal Token, et on va le mettre en PNG, et on va tout de suite aller enregistrer. OK, et je vais tout de suite aller ouvrir Foundry, voir s'il si fonctionne. Euh, bon, là, on est sur une heure et demie de live. Je trouve ça bien pour, pour des petites illustrations, que ça ne dure pas non plus euh, des années. Euh, donc, on va essayer d'aller chercher Fountry VTT. Il est ici. Je vais l'ouvrir. Hop, je vais essayer de le glisser. Euh, hop, on va prendre, je ne sais pas ce que je peux prendre moi comme test. Hein. LaunchWorld. On va prendre ça. Hop. J'ai une session. Ok, très bien. Donc, euh, là, on a son, on a, le, on a le petit euh, Foundry VTT. Alors, il euh, ne faut, faut, faut pas que je fasse de bêtises. Euh, bah, je ne sais pas. Là, lui, on va aller chercher un token. Hum. Apparence, euh, passe icône, euh, choisir un fichier. Euh, je vais aller chercher mon fichier dans les projets. Euh, c'est en vidéo euh, OBS, non pas du tout pas du tout vidéo, c'est dans le travail perso, dessin hop, mais il est en vrac Et homme de euh, homme cristal token PNG euh, note ok euh, bon pourquoi ça n'a pas marché Pourquoi euh, tu n'as pas marché. Je, alors je sais pas je, je ah, si, si. ouais je veux ça non tu veux pas euh, bon je vais essayer de le, je vais essayer de faire ça autrement alors, je ne connais pas je pense que c'est parce que je connais mal euh, euh, Foundry. Hein, c'est c'est tout à fait possible à moins que ce soit ici oui c'est doit être ça Ok. Token. Euh, hop. Ah non, je veux, je veux pas le sélectionner, celui que, que je viens d'importer. Non. Pomme crystal, machin. Ok. Là, je ferme. Ça veut pas. Je vais voir si si je le je remets dessus. Est-ce qu'il veut euh, Non. Ah, je, je vais je vais y arriver. On va y arriver. Euh, comment il s'appelle lui C'est qui déjà C'est quoi son petit nom à lui Adulte Token, Adulte Dragon. Non, c'est pas ça. Ah oh, si, c'est lui là. Allez, je recommence. Donc euh, je, je sais pas, je connais mal, hein. Je connais mal le, 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 jeu, le logiciel. Donc, euh Select the files. Ok. Ah, là si, là ça a l'air d'avoir fonctionné. Eh ben, il peut marcher. Ce petit bonhomme, hop. Si je le désélectionne, qu'est-ce que ça dit Hop. Euh... Si j'en sélectionne un autre, si je sélectionne personne. Alors c'est bête qu'il a ces espèces de... de gros trucs autour de lui, mais bon, ça a l'air de marcher. Hein. Il a l'air de marcher, le petit personnage. Alors peut-être qu'effectivement, il faudrait encore, bah, vous voyez, avoir un des contours noirs même un peu plus poussés. Peut-être que ça vaudrait le coup d'avoir quelques contours noirs. Essaye de clone avant de faire close. Ah ok d'accord. Pardon okay. ah, Bon de toute façon on a trouvé. Hein. On a trouvé. Euh... Bah euh, non, bah ça marche. Ça fonctionne. Euh, ça a l'air en tout cas de fonctionner. Euh, Est-ce que je peux pas masquer là ces, ces trucs dégueulasses là Je sais pas comment on fait, bon, tant pis. Hein. Et ça, c'est pas bien grave. Euh, par exemple, si lui là, j'y allais et que je faisais hop, de choisir un fichier. Non, euh, select files. Ok, si lui, je le remets là, ouais, ça a l'air de fonctionner. Si on peut l'agrandir, non. Hein. Hop, non, je ne peux pas l'agrandir. Mais euh, bon, peu importe. En tout cas, la transparence fonctionne bien. Je pourrais même agrandir un peu l'aura. Euh euh, la fumée tout autour de lui, peut-être que ça pourrait être bien. Par exemple, on pourrait euh, vendre un petit peu la fumée euh, autour de lui. Ça prendrait bien, il prendrait un peu plus d'espace comme ça, il serait un peu plus, peut-être un peu plus impressionnant. Mais voilà, je pense que euh, on a, on, on a le truc, c'est super. La carte en, en euh, est faite avec quoi Les arbres qui bougent euh, sont très bien. Euh, alors c'est des cartes que j'ai partagées normalement là sur euh, sur le Discord. Euh, c'est des cartes que je fais avec le Divinity Engine, le moteur de pour euh, Divinity Original Sin 2, le jeu. Euh, et en fait, je euh, j'ai fait les je fais les cartes avec ça. Euh, j'en ai fait une dizaine. D'ailleurs, j'en ai cinq autres euh, qui seront bientôt finis là que je vais balancer. Euh, tu peux télécharger le, les fichiers vidéo euh, si ça t'intéresse et tu pourras les, euh, les uploader là, dans le euh, dans le logiciel. J'avais tester ça justement là sur euh, sur Foundry voir comment ça rendait ça va c'est pas c'est pas mal on est un peu limite au, on est un peu limite au niveau de la euh, de la pixelisation euh, mais je peux difficilement avoir une meilleure résolution en tout cas moi de, ma, de la manière dont je, me, je procède un peu le truc à l'arrache mais voilà ça donne ça fait ça permet d'avoir des petites cartes un peu qui, donnent, qui ont un petit peu de vie euh, et bon, bah, je pense que j'ai été à peu près... Euh, je pense que je suis bon là. Je pense qu'on est bon là pour, euh, pour ce soir. Est-ce que je peux pas juste vous euh, montrer euh, euh, l'image plein format Hop, pour finir euh, Où es-tu euh, Travail perso, dessin, il y euh, Token. Hop. Et... Voilà euh, bon ben bah voilà pour cette euh, la petite illustration euh, du mardi soir. J'espère que ça vous aura plu. Euh, ben bah pareil, si vous voulez récupérer le token, je, je vais la poster là dans quelques instants sur le Discord. Euh, donc euh, n'hésitez pas. Euh ah y allez, ah, apparemment j'ai un petit problème de diffusion. Non, ça a l'air fonctionné. Euh, donc voilà, de, si vous voulez récupérer le token, il sera disponible à tout à l'heure sur le Discord. Euh, si vous ne savez pas où c'est, euh, allez sur la page d'accueil de... Sur la bannière de la page d'accueil de ma chaîne YouTube. Il euh, y a un petit lien pour euh, aller sur le Discord et vous pouvez récupérer toutes les maps et tout ça, tout ce que je fais en général pendant mes lives. Je le mets, euh, je le poste aussi sur le Discord. Donc bah voilà, j'espère que ça vous aura plu. Euh, je vous souhaite bah, à tous une bonne soirée. Euh, merci à ceux qui ont regardé la vidéo en euh, à, euh, euh, en rediffusion jusqu'au bout, en avant-go. Merci d'être passé, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. D'avoir des gens qui posent des questions, avec qui papoter, et du coup je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Ben, le jeudi qui vient pour une petite euh, sorte de table ronde sur le logiciel Foundry euh, VTT euh, avec Sasmira et le ratonnier, le ratier breton, euh, le ratier bretonien pardon, euh, qui euh, vont euh, ben, essayer de me présenter à qui je vais pouvoir, euh, avec qui je vais pouvoir discuter. Pour expliquer qu'est-ce que Foundry VTT, qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de moins bien, euh, quels sont les avantages de cette petite euh, table de jeu virtuelle. Bon, ben bah, sinon, bah, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit pour ceux qui vont se coucher ou une bonne journée pour ceux qui regarderont ça plus tard. Allez, ciao, merci à tous et à très vite.